Nous chantons la bienvenue dans l'église de Sainte-Marie de la Estrella. Actuellement, c'est l'église principale de la population, aussi connue sous le nom d'église de Jésus. À l'origine, il sera de la chapelle de l'ermitage primitif de Notre-Dame de la Sollicitude, mais en 1709, une nouvelle image de Jésus Nazaréen a été ajoutée, apportée par un dévot de Séville, et a été dénommée ermitage de notre Père Jésus de Nazaréen. En 1745, grâce à la mort des mineurs, et froid grandissement père d'Achounom après avoir acquis les fonctions en paroisse en 1812 sous la falition de la religion de Notre-Dame de l'Étoile, après conséquence de la destruction de l'église actuelle de Saint-Sébastien, trois paroisses d'Almaden. Un siège survenu en 1954 pour l'image vénérée de Jésus Nazaréen, sculpteur en 1699. En 1955, une république a été commande réalisée par Louis Marc Copérez, habitant de Cuenca, payée par abonnement populaire et qui préside actuellement l'auteur principal. La porte principale de cette église est de style renaissant. Il est original en décor, une inférieure avec une porte à cinq roues de deux colonnes apparaît sous la peinture. Le tout court est constitué d'une travée centrale couronnée par une fronte triangulaire. Toute cela couronnée par une corniche de chevet du haut de détacher les campaniles élevées sur la voûte de la lampe de poche. En 1885, un tour de l'horloge avec une finition en fer a été construit sous les campaniles. L'intérieur en plein cour latine avec des chapelles latérales. La retable principale est dédiée à la vénération de l'image de Jésus Nazaréen. D'autres images remarquables sont la Vierge de la Dolores, de Vénérée à Almaden, et le Christ de la Fuente Chana du XVIIe siècle, le plus ancien du temple. Au poids du retable, une perturbante croix semi-circulaire dans laquelle nous bougeons un cri qui nous rappelle la figure centrale de la force du volcan et qui pourrait être le vrai de l'artiste local Joan Martí Cabestelero. L'un des plus grands représentants de la peinture baroque espagnole du XVIIe siècle. Maintenant, nous quittons cet endroit, mais vous pouvez continuer à apprendre plein d'histoires d'Almaden en passant au point d'intérêt suivant.